وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La première leçon, c'est que Cheikh Ibn Baz rahimahullah a enjoint et a dit qu'il était nécessaire pour celui qui est capable d'apprendre la Fatiha et les sourates courtes de Zalzala jusqu'à Sourate An-Nas. Et il a demandé à ce que les gens qui enseignent cela, ils passent par plusieurs étapes. Première chose, celui qui ne sait pas lire et écrire, il doit apprendre à lire et écrire, à lire. Comment il va apprendre à réciter le Coran sans lire? Sauf s'il ne sait pas lire, on lui fait répéter. On lui fait répéter, on le dit, il répète, on le dit, il répète. Deuxième chose, bien sûr, corriger sa lecture. Troisième chose, lui donner les sens essentiels qui sont dans ses sourates, dans ses chapitres. Pourquoi? Car la Fatiha, c'est un pilier parmi les piliers de la prière, la récitation de la Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de salat pour celui qui ne lit pas Fatiha du Kitab. Celui qui ne lit pas la Fatiha dans sa salat, il n'a pas de prière. Si quelqu'un n'est pas capable de bien réciter la Fatiha, et il n'en comprend pas l'essence, comment il peut se concentrer dans la prière? Donc c'est pour ça aussi qu'il est important pour chaque musulman de comprendre le sens général de la Fatiha. Donc connaître la traduction si l'arabe n'est pas sa langue natale, ou bien ce n'est pas la langue qu'il comprend. Et si c'est la langue qu'il comprend, d'en lire les tafsirs ou d'écouter les savants ou les professeurs qui peuvent leur donner l'explication de cette surah, de surat al-Fatiha, et des surates courtes, des autres surates qui sont courtes à apprendre, qui sont simples, inshallah ou tabarak wa ta'ala. Premièrement, en ce qui concerne la Fatiha, barakallahu fikum, ce que l'on peut dire, la Fatiha, les savants ont divergé, est-ce que la basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, fait partie de la Fatiha ou non? Certains savants voient que ça ne fait pas partie de la Fatiha. Ce n'est pas le premier verset de la Fatiha, mais c'est seulement une sunna. C'est recommandé de le dire avant de lire la Fatiha, comme avant de lire tout début de surat du Coran. D'autres savants voient que Bismillahirrahmanirrahim est un verset à part entière de la Fatiha. Il y a une longue divergence sur ça. Cheikh Mohamed Amin Shinqiti, qui a écrit Adwa ul-Bayan, rahimahullah, voit que, comme dans le Coran, il y a plusieurs lectures, comme Warsh, Hafs, etc., etc., et on le voit dans les Masahif, dans les Corans écrits. On voit dans les Corans Hafs qu'ils ont mis Bismillahirrahmanirrahim, le premier verset. Et on voit dans les Corans Warsh que non.
Le premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, comme dans les différentes lectures, des fois il y a des petites différences comme un waou rajouté, ou des fatha, ou des kasra, mais qui ne changent pas le sens. Et tout ceci a été révélé, bien sûr, par Allah Tabaraka Ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité de toutes ces manières-là. Alors il voit que, selon la lecture que l'on lit, ce sera différent. Si on lit le Hafs, alors Bismillahirrahmanirrahim est le premier verset de Fatiha. Alors que si on lit le Warsh, par exemple, Riwayat Warsh, alors Bismillahirrahmanirrahim, ce ne sera pas le premier verset de Surat Al-Fatiha. Deuxième question. Que l'on dise que ce soit un verset ou non de Surat Al-Fatiha, est-ce que dans la salat on le dit à voix haute ou à la voix basse, Bismillahirrahmanirrahim, quand on commence? Les versions véridiques rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses califes bien guidés après lui montrent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait Bismillahirrahmanirrahim à voix basse et non pas à voix haute. Il le disait mais à voix basse. Donc en résumé, on essaye inshallah de ne pas omettre de le dire pour être sûr inshallah d'avoir récité, au moins de sortir de la divergence, pour être sûr d'avoir récité cette partie du Coran qui fait partie de la Fatiha. Et comme on a dit que celui qui ne récite pas la Fatiha, sa salat n'est pas valide, mais on le dit à voix basse. On dit Bismillahirrahmanirrahim à voix basse, puis on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin à voix haute. La Fatiha, quand Allah Ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, quand on dit Bismillah, en arabe, il y a un sous-entendu ici. Quand on dit Bismillah, c'est-à-dire par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah, quoi? Par le nom d'Allah, je commence. J'ouvre. Je commence par le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit Bismillah, par le nom d'Allah, c'est sous-entendu comme il dit l'imam Sa'di, Bijami'a asma'illah, c'est-à-dire je commence et je demande la bénédiction par tous les noms et les qualités d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme on sait, Allah Ta'ala, il a des noms et des qualités. Certes, à Allah appartiennent les plus bons noms, alors appelez-le avec ses noms, invoquez-le avec ses noms. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, c'est tout d'abord, je commence par les noms et les qualités d'Allah, les noms d'Allah, Tabaraka Ta'ala, sublime. Et quand on commence en demandant la bénédiction par les noms d'Allah, Tabaraka Ta'ala, et c'est sûr que, Inch'Allah, on a pris le meilleur moyen de commencer. Aussi, Bismillahirrahmanirrahim, c'est ce par quoi le Coran a commencé. Et c'est ce par quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait ses écrits, quand il envoyait un courrier. Et c'est ce par quoi le prophète Suleyman, rahimahullah, alayhi salat wa salam, a envoyé à la reine de Saba. Wa innahu min Suleyman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Donc déjà à l'époque de Suleyman, la basmala existait. Et de cette manière-là, avec aussi les noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et en réalité, c'est une sunna de dire Bismillahirrahman, de décrire Bismillahirrahmanirrahim avant, donc au début d'une lettre, ou d'un courrier, ou d'un livre, ou d'un écrit, tout ce qui est écrit. Sauf si on a peur que ça tombe dans la main de quelqu'un qui va le négliger, le jeter à la poubelle, etc. Alors là, on ne mettra pas le nom d'Allah. Non. Autre chose, le fait d'écrire Bismillahirrahmanirrahim, c'est dans l'écrit que c'est une sunnah. Mais en ce qui concerne l'oral, quand on commence à parler, on ne commence pas en disant Bismillahirrahmanirrahim. Mais on commence en disant Alhamdulillah, la louange à Allah. Car toutes les prêches, tous les prêches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il commençait un prêche, ou khutbatul hajj, la prêche du besoin, quand on commence au Jumu'ah, inna alhamdulillah, nahmadu, etc. Même la prêche de l'Eid, ou toutes les autres prêches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, ou les discours, ou les paroles, il commençait par la louange, par louer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on en résumera que la sunna dans l'écriture, c'est de commencer par la basmala. Alors que la sunna, quand c'est à l'oral, quand on parle, c'est de commencer par dire Alhamdulillah ou Inna Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont deux noms parmi les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Et ce sont des noms. Ar-Rahman, c'est un nom spécifique à Allah tabarak wa ta'ala. Dans les noms d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a des noms qui sont spécifiques à lui, que personne d'autre ne peut porter. Et il y a d'autres noms que d'autres peuvent porter, mais ils n'auront pas le même sens ni la qualité absolue comme celle d'Allah. Par exemple, Allah ta'ala, Samir, l'entendant. Et Allah, quand il parle de l'homme, il dit Samir Ambasira. Il dit que si, il est Samir. Mais est-ce que la manière d'entendre de l'homme et comment Allah entend, c'est la même chose? Non. Allah ta'ala, il entend tout. Et on ne sait pas comment. On sait qu'il entend tout, subhanahu wa ta'ala, mais pas comment. Ce n'est pas comme nous, l'être humain, où on a une ouïe limitée et on a besoin des oreilles, etc., pour entendre. Allah ta'ala, on ne sait pas comment il entend. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous a enseigné dans la Fatiha et dans les autres sourates du Coran, Allah ta'ala s'est fait connaître à nous à travers ses qualités et ses attributs. Il a parlé de certains de ses noms dans le Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi a énoncé des noms d'Allah dans le hadith. Et il a parlé de ses attributs, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de certains attributs, caractéristiques, qualités d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous, en tant que musulmans, des gens de la sunna, on est obligés de croire en tout ce qu'Allah nous a informé. Et tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Car il n'y a personne qui connaît Allah mieux que lui-même. Si Allah a informé de lui-même qu'il a certaines qualités, certaines spécificités, certains noms, certains attributs, alors nous on doit y croire. Même si notre raison elle ne comprend pas. Ce n'est pas à notre raison de limiter Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, quand on dit on doit y croire, est-ce que ça veut dire qu'on y croit comme on croit par exemple si Allah ta'ala dit qu'il a une main? Est-ce que ça veut dire qu'il a une main comme l'être humain ou comme les créatures? Non. Il n'y a rien qui ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on y croit, on affirme ce qu'Allah dit. Quand Allah dit ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, il s'est établi sur le trône. On dit Allah, il s'est établi sur le trône. On n'a pas honte de le dire, Allah l'a dit. Mais comment? Comment, on ne le demande pas. Le comment, le fait de demander comment, c'est une bid'a, c'est une innovation. Deuxièmement, ce dont on est sûr, c'est que ce n'est pas comme une créature. Car Allah Ta'ala dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui est équivalent à Allah. Il y a des choses qui peuvent se ressembler dans le nom, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. Par exemple, quand Allah dit il a une main, les créatures aussi ont une main. Mais est-ce que c'est la même chose? Ils ont juste le même nom. Mais la réalité, elle n'est pas la même. La réalité de la main chez l'être humain, c'est celle qu'on voit ici. La réalité de la main chez Allah, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui connaît le comment de cette réalité. On sait qu'il en a une, mais on ne sait pas comment elle est. Est-ce que c'est clair? Donc ça, on le voit que ce soit dans la Fatiha, en affirmant certaines qualités qu'on va voir, qualités et noms, et qu'on, dans tout le Coran, comme le fait Sifat al-Istiwa, qu'Allah il s'est établi sur le trône, qu'Allah il a une main, ou quand ils disent le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Autre chose, donc quand on croit aux noms et aux qualités d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on y croit, premièrement, on affirme ce qu'Allah et son messager ont affirmé. Deuxième règle, on renie ce qu'Allah et son messager ont renié. C'est-à-dire, si Allah a dit qu'Allah ta'ala n'a pas telle ou telle caractéristique, alors nous aussi on dit qu'il ne l'a pas. Troisièmement, si Allah n'a ni affirmé ni réfuté une qualité ou une caractéristique, alors ni on l'affirme ni on la réfute. Ni on l'affirme ni on la réfute. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui sont liées à notre raison. On ne peut pas les délimiter avec notre raison. Autre règle en ce qui concerne les qualités et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on sait qu'il n'y a aucune créature qui ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay. Autre règle aussi, c'est qu'on ne demande pas le comment. On ne demande pas le comment des choses.
quand il s'agit de l'invisible, quand il s'agit des qualités d'Allah, quand il s'agit de l'entité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais on y croit, comme ça a été décrit, ou comme ça a été affirmé. Autre règle, on ne réfute pas ces qualités en y donnant des interprétations lointaines qu'il les sorte de son sens réel, comme ont fait certaines sectes égarées, car leur raison n'était pas prête à accepter cela. Et souvent, ces sectes-là, elles ont fait cela après qu'elles ont goûté à la philosophie. Une fois qu'elles ont goûté à la philosophie grecque, alors il fallait que tout soit plié sous leur raison. Sous leur raison. Ce que leur raison n'accepte pas, c'est pas acceptable. Donc, avec la croyance, alors elle sert à quoi ? Si c'est pas la soumission à ce qu'Allah nous a informé. C'est-à-dire que l'être humain, il croit qu'il va tout cerner avec sa raison. C'est pas possible. L'être humain, il est qasir, il est manquant. Sa raison, elle tire ses informations d'où ? Que de choses manquantes. Déjà, sa raison, elle est manquante, elle est très limitée. Deuxièmement, sa raison, elle tire ses informations d'où ? Des sens. Et les sens, ils sont tous limités. Que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, tout ça, c'est limité. Donc, il veut, avec un cerveau limité et une raison limitée et des sens limités, comprendre Allah tabaraka wa ta'ala qui dépasse toute limite, subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Voilà en ce qui concerne les noms et les qualités d'Allah. Donc Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est celui qui est plein de miséricorde. Et cette miséricorde, Ar-Rahman, elle est générale pour toutes les créatures. Musulmans, mécréants, créatures, que ce soit les animaux, les insectes. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu une seule miséricorde sur 100, sur cette terre. Comme si on dirait 1%. Il dit, par cette miséricorde, il y a l'affection et l'amour entre les gens. Et il y a la bête qui lève son sabot sur son enfant pour ne pas l'écraser. C'est-à-dire toute la miséricorde qu'on peut trouver sur terre, ce n'est même pas 1% de la miséricorde d'Allah. Que ce soit les gens, que ce soit les parents, la mère qui patiente sur son enfant, que ce soit les mariés et femmes, les enfants entre eux, la fraternité, l'amour, la miséricorde qu'il y a entre toutes les créatures. Toutes les créatures, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, ce n'est que même pas 1% de la miséricorde d'Allah. Et le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala, il va juger le croyant avec, inshallah, toute sa miséricorde. C'est pour ça, c'est ça, Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est spécifiquement pour les croyants. La rahma du jour du jugement dernier, elle n'est pas générale comme dans le dunya. Dans ce bas monde, Ar-Rahman compte avec tout le monde. Il y a des gens qui insultent Allah. Il y a des gens qui lui désobéissent. Allah, il ne lui a pas coupé la vie. Il continue à lui donner sa subsistance. Ça, c'est par la miséricorde d'Allah. Yannahu Halim, il est indulgent. Mais le jour du jugement dernier, Ar-Rahim, c'est spécifiquement que avec les croyants qui vont avoir droit à sa miséricorde. Car les mécréants, ils seront privés de la miséricorde d'Allah le jour du jugement dernier. Un mécréant qui fait du bien sur terre, il y a des gens, ils vont dire, oui, mais il y a des mécréants, mashallah, ils font beaucoup de bien. Il y a des prêtres, des je ne sais quoi, ils sont là, ils vont dans le monde, ils donnent à manger aux pauvres, ils aident les gens. Comment ces gens-là, ils vont aller en enfer ? Il y a des gens qui parlent comme ça. Celui qui dit ça, c'est un grand ignorant. Et en disant ça, il peut démentir le Coran. Car le Coran, il a dit que la personne qui ne mourrait pas sur l'islam, sa place est en enfer, éternelle. Il faut savoir que Allah n'est pas injuste. Un mécréant qui fait du bien, Allah le récompense. Mais sa récompense, elle est dans le dunya. Elle est dans ce monde. Allah, il lui dépêche sa récompense dans ce monde. Que ce soit en lui ouvrant les portes du rizq, de la subsistance, ou qu'il trouve une certaine facilité dans certains points de sa vie, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, il ne trouvera pas la paix de l'âme. Ça, c'est sûr. Mais un croyant, quand il fait du bien, Allah Ta'ala lui donne par ce bien, par ses bonnes actions, qu'une petite baraka dans ce monde. Il lui ouvre un peu les portes de la baraka de ce monde, mais il lui garde ce bien. Il lui fructifie.
pour qu'ils viennent le jour du jugement dernier et qu'ils trouvent des grandes récompenses. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. On commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamd, c'est plus général que ash-shukr. Pourquoi? Parce que alhamd, quand on dit la louange, c'est-à-dire que Allah, il mérite cette louange de par ses attributs et de par son entité, de par ce qu'il est subhanahu wa ta'ala. La louange lui appartient dans toutes les situations. C'est lui le digne de louange. Il mérite d'être loué. Subhanahu wa ta'ala. Alors que le shukr, quand on dit shukr, ça c'est une reconnaissance à travers un bienfait qu'Allah ta'ala aurait pu te donner ou t'a donné. Vous n'avez pas un bienfait sans que ça vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamd, ça peut se faire qu'avec la langue. On ne peut pas le faire avec le corps, avec le cœur, etc. Alors que shukr, on dit shukru illah avec la langue, ou bien avec son cœur, ou bien même avec ses actes. Comment ça? Avec la langue, c'est simple, c'est en disant shukru lillah. Avec le cœur, c'est que dans son cœur, on reconnaît, on est reconnaissant envers Allah. Et on sait que quoi que l'on fasse, on ne pourra jamais rembourser tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Même si on devait rester prosterné toute notre vie, on ne peut pas rembourser, oh Allah, le bienfait d'un regard, d'une respiration. Est-ce que l'un de nous ici peut prétendre avoir mérité la vie, ou avoir mérité la santé, ou avoir mérité d'être musulman? Le meilleur bienfait d'Allah, c'est l'islam. Est-ce que c'est par ton mérite que tu as eu ça? Wallah, si c'est par notre mérite, on ne mérite même pas d'être évoqué, d'exister. هَلْ أَتَعَ لَلْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا. N'est-il pas venu un moment dans l'existence de l'homme alors qu'il n'était même pas quelque chose d'énonçable? Il n'avait pas de nom. Il n'était rien. Néant. Du néant, Allah nous a créé. Rien que ça. Est-ce qu'on a mérité d'être présent, d'exister? Mais Allah, par son bienfait, il t'a donné cette existence-là. Il t'a donné cette existence, il t'a donné l'air, il t'a donné les membres du corps, il a fait que ton corps il fonctionne d'une manière inexplicable, tellement c'est parfait. Il t'a soumis les créatures, il t'a soumis la terre, il t'a soumis le soleil, il t'a soumis les animaux, il t'a soumis les plantes. Subhanallah, toi l'être humain, toute chose dans l'univers travaille pour toi. Il y a des anges qui sont à notre service. Allah, il leur a demandé de travailler pour nous. Il y a des anges qui nous protègent. Il y a des anges qui s'occupent de telles choses. Mais qui on est? Est-ce qu'on mérite tout ça? On ne le mérite pas. Celui qui croit qu'il va rentrer au paradis par son mérite, il a tout faux. Le paradis, tu ne peux pas l'acheter. C'est trop cher. Personne n'entre au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit lui-même. Il a dit, personne n'entrera au paradis par ses actes, seul. Ils ont dit, même pas toi, au messager d'Allah, même pas toi. Il a dit, même pas moi. Il a dit, même pas moi. Sauf si Allah, il me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Le meilleur des hommes, il ne peut pas rentrer au paradis par ses actes. Alors il y en a un ici, il croit qu'il va rentrer au paradis par ses actes. Oh Allah, c'est que par la miséricorde d'Allah. Quand on aura compris ça, oh Allah, on va adorer Allah jour et nuit. Et encore, on va demander pardon à Allah qu'on n'a pas fait assez. Aujourd'hui, tu vois les musulmans, ils se comparent aux mécréants. Ah ben je suis bien, moi je suis musulman, lui c'est un mécréant. Alhamdulillah, moi je fais salat. Wallah, des fois, il y a des gens, ils se prennent pour des pieux. Moi je suis pieux. Il y en a, ils me disent, moi je suis pieux. Comment ça, t'es pieux? Il croit pour lui, et mashallah, il a fait ses 5 prières. Il a jeûné le mois du ramadan. Voilà, il a été gentil un peu avec ses voisins et ses parents. Ça y est, je suis pieux. Premièrement, es-tu sûr qu'Allah a accepté tes actes? Deuxièmement, ces actes, tu les as fait parfaitement. J'aimerais bien voir à quoi elles ressemblent ta salat.
Est-ce que c'est une salade du coq ou est-ce que c'est la salade du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ou juste t'as fait des gestes comme ça, t'avais la tête ailleurs, t'étais pas concentré, t'es même pas capable de connaître les piliers de la prière, comment rattraper si tu fais une erreur, tu ne prends même pas un moment de pause dans chaque membre, chaque instant de ta prière. Ça c'est pas une salade. Il y a quelqu'un qui est venu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, il a prié, il est venu dire passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit va prier car tu n'as pas prié. Il dit si j'ai prié, il dit non tu n'as pas prié. Il a été reprié. Il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit va prier, tu n'as pas prié. Mais j'ai prié. Non, tu n'as pas prié. Parce que le prier, faire salat, il y a des piliers. Sans ces piliers-là, sans ces obligations-là, c'est pas une salat. C'est de la gymnastique. Non. Si la personne, elle ne prend pas une pause dans chaque position, c'est pas une salat. Surtout, on voit beaucoup de gens, ils prennent pas de pause entre les deux prosternations. Ils se relèvent de la prosternation et redescendent comme un ressort. Ou après l'inclinaison aussi, après Rukoa. Après, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle, donc après avoir cité que c'est lui le jour qui donnera la récompense, le jour de la rétribution, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. » Iyaka na'budu, normalement c'est na'budu iyaka. On t'adore, toi. Mais là, Allah Ta'ala, il a fait exprès de mettre iyaka avant. Pour dire toi seul, pour insister, qui mérite seulement l'adoration? Allah seul. Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. L'ibada, c'est quoi? C'est un nom qui est général, qui comprend tout ce que Allah aime et agrée, que ce soit dans les paroles ou dans les actes ou dans les croyances. C'est ça l'ibad. Iyaka na'budu, si tu veux avoir la deuxième partie, ou iyaka nasta'in, c'est auprès de toi qu'on prend l'aide, il faut que d'abord tu haqqiq al-ubudiyya. D'abord, il faut que tu sois un bon abd, un bon serviteur, que tu voues un culte exclusif et pur à Allah. Tu ne peux pas avoir l'aide d'Allah sans iyaka na'budu, sans être un bon abd, un bon serviteur. C'est après iyaka na'budu que iyaka nasta'in vient. D'abord, tu dois être un bon serviteur avant de pouvoir demander l'aide d'Allah. C'est les serviteurs d'Allah qui méritent l'aide d'Allah. Et toutes sortes d'adorations, que ce soit le sujoud, la prosternation, le recours, l'inclinaison, ce n'est permis que pour Allah. Même devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ne s'inclinaient pas. Ils ne s'inclinent pas. Que ce soit le khawf ou bil ghaib, la crainte dans l'invisible. C'est quoi la crainte dans l'invisible? C'est-à-dire quand on énonce le nom de quelqu'un, il n'est pas là, il est loin. T'as peur. Ça, c'est que pour Allah. Si quelqu'un, juste en énonçant son nom, il est à l'autre bout de la terre, il ne peut pas te faire de mal, la véridique, il n'est pas devant toi. Tu as peur, ça c'est du shirk. C'est pas comme tu as peur de quelqu'un qui va te faire du mal, par exemple. Un gouverneur sous qui tu es sous son autorité. On est dans son nom, tu as peur parce qu'il va te taper, il peut te faire du mal, une réalité. Là. Ou un lion, ou un animal féroce. Ça c'est pas du shirk, ça c'est de la peur tabi'i. De la peur naturelle. Mais nous, on parle de la peur qui est l'ibad, qui est une adoration, pas la peur naturelle. C'est quoi? C'est qu'une personne, tu as peur de lui autant que tu as peur d'Allah ou plus. Ou bien, tu as peur de lui alors que là, il n'est pas là, il peut rien te faire. Tu crois qu'il a des pouvoirs spéciaux. Il est à l'autre bout de la terre, il ne peut rien te faire. On dénonce ton nom, tu as peur. Tu as peur de lui plus que si on t'énonçait le nom d'Allah ou le châtiment d'Allah. Ça, c'est du shirk. Pareil, al-raja, l'espoir. L'espoir qui est une ibada, tu n'as le droit de l'avouer que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas espérer, par exemple, d'un médecin qui te donne la guérison. Il ne peut pas, lui, il n'a pas la guérison. La guérison est dans les mains de qui? D'Allah.
Que ce soit un médecin, même un raqi. Les gens ils vont voir un raqi, quelqu'un qui fait ruqya. Ils croient qu'il va lui donner la guérison. Si tu crois ça, tu fais du shirk. Lui, il n'a pas la guérison dans les mains. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te wassal bil Qur'an. Il intercède auprès d'Allah par sa parole, par le Coran, pour demander à Allah la guérison. Ou il va voir un shirk, ou quelqu'un, en croyant que lui va lui donner la guérison. Ou bien qu'il connaît l'invisible, etc. etc. Donc, l'espoir que quelqu'un autre qu'Allah, on lui donne une spécificité, quelque chose de spécifique qui est que à Allah, ça c'est du shirk akbar, c'est du shirk qui sort de l'islam. Comme le fait de te guérir, comme le fait de te donner un enfant, comme le fait de t'aider contre les ennemis, ces choses-là, tu n'as pas le droit de les demander autre qu'à Allah, vivant ou mort. La dua, l'invocation, le fait de faire dua, il n'y a que Allah qu'on peut invoquer. Car la dua, c'est une ibad. La dua, c'est l'invocation, c'est l'adoration même. Tu n'as pas le droit d'invoquer un ange. Ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire Ya Rasulallah. Ni un saint, ni Abdul Qadir Jilani, ni Pir Foulan, ni Cheikh Foulan, ni personne. Le seul à qui tu as le droit de dire Ya, c'est Allah. Ya Allah. Certains, quand ils s'assoient, par exemple, on le dire Bismillah, il y a le Walidin. Le Walidin. Comment ça? Le Walidin? Comment ça, le Walidin? Bismillah, ya akhi. Ou bien ils s'assoient, ils se lèvent, bihaqin nabi. Ou bien, wa nabi, ils jurent par le prophète. C'est du shirk. Tout ça, c'est du shirk. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, ils ont fait ça. Ils sont venus combattre ça. Barakallahu fikum. Pareil, faire un vœu, un nadr. T'as pas le droit de faire un vœu pour autre qu'Allah. Comme les gens ils font le nadr pour les saints, pour les tombeaux. Ça aussi c'est du shirk. Ad-dhabh. Le fait de sacrifier une bête, tu peux le faire que pour Allah. Quand c'est une ibad, quand c'est une adoration. On parle pas de la bête que tu sacrifies pour manger. Ça c'est pour manger. Mais l'ibad, le fait de faire couler le sang pour Allah, comme le jour de l'Aïd, comme pour la Aqiqa. Si tu fais ça pour un djinn, pour un sorcier, ou pour quelqu'un dans un tombeau, ou un vivant, ou un mort, en croyant qu'en faisant ça, tu t'approches de lui, t'as fait du shirk akbar, t'es sorti de l'islam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, inna salati, ma prière, et mon sacrifice, et ma vie et ma mort est pour Allah, Seigneur des mondes. Allah Ta'ala dit ça dans le Coran. Donc il a mis le sacrifice avec la prière. C'est une ibada que tu fais pour Allah. Les gens qui vont voir les sorciers, les marabouts, ils lui disent va sacrifier un coq noir là-bas, sans dire je ne sais pas quoi. Ça c'est du shirk. Il a sacrifié pour les shaitans. Il n'a pas sacrifié pour Allah. Celui qui fait du shirk, Allah il annule tous ses actes. Il est sorti de l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça, Allah Ta'ala, la première chose, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et c'est à toi seul, auprès de toi seul, qu'on prend l'aide. Pareil, demander l'aide, s'appuyer, demander le secours. À qui on demande le secours? Allah. Est-ce qu'on demande le secours au prophète? Est-ce qu'on demande le secours à Jibril, au djinn, au sorcier, à Shaitan? Non. Après avoir fait tout ça, louer Allah, citer ses qualités, ses noms et ses attributs, dire que c'est lui seul qu'on adore et c'est à lui seul qu'on demande le secours, qu'est-ce qu'on lui demande? Al-Hidayah, ihdina as-sirata al-mustaqim. La plus grande chose dans ce monde, c'est quoi Al-Hidayah? Elle a guidé sur le droit chemin. Sirata al-mustaqim, ihdina sirata al-mustaqim. Tu demandes la guider pour toi et pour tout le monde. Ihdina, guide-nous. Tu n'as pas demandé que pour toi. Sur le chemin droit, le chemin rectiligne, le chemin de la guider. Et c'est ce pourquoi Allah il a révélé le Coran. C'est ce pourquoi Allah il a envoyé les messagers. C'est quoi? Al-Hidayah, la guider. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladina an'amta alayhim,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, qui sont-ils ? أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Tu demandes qu'Allah te guide sur le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs et des gens pieux. Et quand tu demandes ça, c'est-à-dire qu'Allah, tu veux qu'Allah te guide sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la sunna. Tous les jours tu dis ihdina as-sirata al-mustaqim et tous les jours tu fais des bid'a. Tu fais le contraire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis quelque chose, tu fais son contraire. Quand on dit ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, donc Allah a parlé qui sont ceux-là, alladhina an'ama Allahu alayhim. On a cité qui sont-ils. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux qui ont encouru ta colère, c'est qui ? C'était les juifs. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient et ils n'ont pas pratiqué. Et ce ne sont pas seulement les juifs, c'est tous ceux qui savent et qui ne pratiquent pas. Ils rentrent dans ce verset. C'est les مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Celui qui sait la vérité et qui ne la suit pas, Allah il est en colère contre lui. Et il rentre dans ce verset. Ni des égarés sont qui les chrétiens? Qui sont les égarés? Celui qui ne sait pas, mais il ne veut pas chercher à savoir. Il ne sait pas et il est content de ne pas savoir. Il fait de la philosophie, il fait sa vie. Donc tout musulman aussi, ou toute personne qui ne sait pas, mais qui ne fait pas l'effort d'apprendre les bases de sa religion et de les mettre en pratique, il fait partie de ces gens-là aussi. Voilà ce qu'on récite dans chaque prière, dans chaque jour, 17 fois minimum par jour. Est-ce qu'on en a compris les sens? Là, j'ai fait un résumé de résumé, juste pour en saisir le sens général. Donc, barakallahu fikum. La Fatiha, il faut donc bien l'apprendre, bien la corriger dans la manière de prononcer, en comprendre les sens, pour pouvoir, Inch'Allah, avoir une bonne prière. On continuera la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma.